En règle générale, quand nous tournons à gauche, c'est de cette manière-là. C'est-à-dire essayer de passer derrière la petite voiture verte. Maintenant, si devant c'est bouché, on va laisser passer la voiture verte. On peut lui faire un appel au phare ou un geste. Là, ça redémarre. Enfin, voilà, on tourne comme ça, en angle droit. Maintenant, si ce n'est pas possible, on va tourner d'une autre manière. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, la voiture se trouve face à nous. Elle n'est pas sur le côté, elle est face à nous. Nous sommes sur la même voie. Donc là, on peut lui faire un appel de phare pour qu'il dégage la route, s'il y a un doute. D'accord? Sinon, il y a des voies de stockage. Sinon, il y a des voies de stockage, donc il faut faire attention au marquage au sol, hein, parce que ça a changé. Donc, c'est suivre la voiture nord et bien faire un petit coup d'œil à droite pour voir qu'on ne coupe pas la route. Là, nous allons tourner à gauche, mais vous n'avez pas tourné la tête à droite pour voir ce qui se passait. Vous voyez, il y a des voitures qui vous coupent la route. Regardez, il y en a une autre qui arrive. Là, on a celle-là devant. Voilà. Donc, on continue. Il y en a une qui arrive. Vous voyez, on voit le bout. Tout simplement parce que vous êtes mal placé. Et il n'y a pas eu d'angle mort, on n'était pas assez à droite au niveau de la ligne. Toujours contrôler avant, c'est sécurité. Sur certaines routes, comme on va voir ici, là nous tournons à gauche. Donc ce qu'il faut, c'est regarder rapidement à gauche, après le panneau bleu là-bas, la voie complètement à gauche. Il y a une voie de stockage. Sur les voies dangereuses, les routes dangereuses, ça peut servir. Donc on se met à gauche, petit coup d'œil derrière à droite, clignotant, on tourne la tête et on s'insère et on roule à la vitesse normale qui est sur la route. Donc si c'est 80, là, il y a des voies de stockage, ou alors il faut mettre des lunettes. Donc, il faut voir d'abord à gauche, ensuite à droite, mais c'est mis en première. D'accord? Toujours la prudence. Il faut voir la signalisation avant d'y arriver, hein, c'est mieux, hein, d'accord? Donc, pour la photo suivante, pour ceux qui n'auraient pas compris, si nous nous trouvons à gauche, c'est que nous sommes à sens unique. Donc, il faut laisser passer, bien sûr, les voitures en face, qui vont se retrouver sur notre droite, sauf si elles tournaient elles-mêmes sur leur gauche. Là, comme le camion, là on ne laisse pas passer, on